Bonjour. Alors, parlez-nous aujourd'hui. Vous avez organisé une manifestation devant le bureau de la CIRG. Il s'agit de quoi? Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous en avons marre de voir la guerre et l'insécurité qui continuent à être en RDC. Bien que certaines pensent que la RDC est un pays post-conflit, mais moi, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, je ne vois que des guerres, la mort autour de nous. L'assurance de vie n'est pas assurée en RDC. Et nous nous sommes dit que c'est important de venir voir la CIRGL parce qu'avant tout, c'est notre mère. Nous faisons partie, la RDC fait partie des pays membres de pays de Grand Lac. Et on s'est dit que la CIRGL devait traiter avec grande intention, avec grand intérêt, la question qui concerne l'insécurité, surtout que les acteurs principaux de nos tueries sont le membre même de pays membres de Grand Lac, si on peut le dire ainsi. Donc pour nous, vraiment, c'est une grande déception que voir que un frère est en train de tuer son autre frère, ça veut dire le Rwanda, aujourd'hui impliqué dans le mouvement du 23 mars. C'est pour nous une grande désolation vraiment de voir que cela continue à se passer sous le parrainage du Rwanda, que pour nos richesses, nous avons été bénis avec une richesse, que ces richesses-là continuent à nous coûter la vie. Malgré toutes les publications et les documentations qui ont été sur le minerai des sangs, mais nous ne comprenons pas comment aussi les multinationales continuent à payer, à acheter nos minerais par nos sangs. Les Congolais sont des hommes d'affaires. Ils peuvent venir bien conclure le marché avec les Congolais en toute honnêteté dans le système gagnant-gagnant. Et nous ne refusons pas que le pays étranger ou voisin ou transfrontalier, si on peut le dire, peuvent être aussi impliqués dans le business. Mais il faut respecter les principes de marché. Il faut respecter s'ils veulent être des commissionnaires qui deviennent des commissionnaires. Et on doit les rappeler que le Congo restera indivisible. Même pas une seule goutte, même pas un maître de la RDC va nous quitter, va se lâcher. Le vrai Congolais, qu'on se retrouve aux élections, d'ici là, nous organisons les élections et c'est vraiment une routine pour la RDC actuellement. Pour tout Congolais, quelle que soit son origine, retrouvons-nous aux élections. Et pour les étrangers, on ne peut pas continuer à souffrir et être victime de notre hospitalité. Nous avons accueilli les FDLR, pas les FDLR, mais une population qui était en situation de crise, victime d'une crise. Mais aujourd'hui, notre pays est maintenant un champ de bataille. Madame, vous pouvez citer quelques cas de violences, de violations dont les femmes sont victimes ici dans l'Est? En tout cas, les femmes sont tuées, les femmes sont violées. Et même le corps de femmes ne sont pas respectés. Même après les avoir tués, il y a leurs organes qui sont abusés. Donc c'est vraiment très difficile la situation que traverse la femme actuellement en RDC, seulement parce que nous avons un pays riche, un sol riche. Alors, madame, votre manifestation coïncide pendant que les rois des Belges séjournent sur le sol congolais. Est-ce que pensez-vous que, comme on sait que la Belgique c'est un pays ami à la RDC, pensez-vous que la Belgique a un rôle, ou bien peut jouer un rôle pour que la paix revienne dans l'Est du pays? En tout cas, nous rappelons d'ailleurs la Belgique que les autres parrains des autres pays. Nous voyons des pays qui aujourd'hui, ils sont ceux qu'ils sont, ils sont fiers, ils se tapent la poitrine parce que leurs parrains jouent suffisamment, effectivement, le rôle qu'ils devraient jouer. Donc nous en profitons pour dire à la Belgique, nous espérons que son passage ici aujourd'hui, ça va vraiment être marqué par un nouveau départ où il doit aussi s'impliquer à veiller à ce que la passation de marché avec le multinational soit en toute transparence et que le Congolais puisse se retrouver dans toute transparence. Pensez-vous que l'appui militaire ou l'intervention militaire de la Belgique dans l'est du pays serait parmi les solutions pour mettre fait à ce qui se passe à l'est du pays? En tout cas, ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas seulement la question de notre armée. Notre armée est très forte. Notre armée est très forte et je me dis même qu'il est plus fort que beaucoup des armées qu'on peut retrouver, même, je ne sais pas, en Europe ou aux États-Unis, dans plusieurs autres continents. Notre armée est forte, mais ce que nous manquons, c'est nous manquons vraiment l'engagement de mentors, nous manquons l'engagement et les sanctions qui peuvent frapper les pays qui nous
qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas l'indépendance de la RDC. Et qu'est-ce que vous avez besoin de la Belgique concrètement, un message que vous lancez concrètement? Comme je venais de le dire, pour la Belgique, nous voulons vraiment qu'ils puissent s'impliquer. Nous savons que le socle de tout ça, c'est le minerai que nous avons ici, c'est la richesse de notre sol. Donc s'ils peuvent s'impliquer à fond pour veiller à éradiquer ces passations de marché non légales en RDC, il aura contribué. Qu'est-ce que la CIRGL veut de vous répondre? La CIRGL nous répond encore une fois qu'ils vont, ils sont là. Leur mission est centrée sur la question de l'insécurité à l'est de la RDC, raison pour laquelle ils sont même représentés à Goma et pas à Kinshasa. Et ils vont aller à la hiérarchie pour donner rapport de notre action aujourd'hui et ils vont nous revenir avec un feedback. Mais nous espérons vraiment qu'ils le fassent parce que nous n'allons pas nous arrêter là jusqu'à ce que la CIRGL prenne ses responsabilités et amène les pays membres à respecter les autres pays. Est-ce que cela vous donne confiance par rapport à ce message et des promesses de la CIRGL? Nous attendons les actes. Nous attendons les actes. Nous avons dit pour nous l'indicateur, c'est de voir la guerre du M23 cesser. L'indicateur, c'est de voir tout ce qui se passe à Beni avec les ADF puisse cesser, s'arrêter. L'indicateur même, c'est de voir tout ce qui se passe dans Ituri puisse prendre fin. Avez-vous donné un moratoire peut-être à la CIRGL au cas où elle ne répondait pas? Et y a-t-il d'autres actions que vous allez envisager à l'avenir? En tout cas, nous leur assurons que nous sommes très proches, même pas à l'immédiat même, à l'immédiat, parce que c'est question de décision. Nous avons confiance que s'il prend son engagement, les choses vont changer. Ça ne demande pas des jours que les choses changent. Et s'il ne prend pas son engagement, nous lui rassurons que nous serons là et nous ne voyons pas, nous n'allons pas continuer à voir la raison pour elle d'être représentée ici dans notre ville avec tout ce qui se passe. Pendant ce temps, ce sont les femmes qui sont plus victimes. Quel message aux femmes? Moi, je suis en train d'inciter les femmes à accéder au pouvoir, à se battre pour qu'elles puissent être représentées dans le dialogue de paix, dans le dialogue qui se passe en RDC d'une façon, ou qui implique la RDC d'une façon ou d'une autre. Il y a les élections aussi qui approchent. Les femmes intégrer la politique. Allons changer les choses. Nous avons remarqué qu'il y a un problème, il faudrait que les femmes changent. Allons changer les choses. Allons protéger les vies que nous donnons. Y a-t-il des actions de terrain, par exemple, après ici, que vous allez entreprendre au sein même des femmes et des organisations féminines? Nous continuons notre lutte de chaque jour en veillant sur le problème qui frappe particulièrement les femmes et les enfants. Mais à ce qui concerne, nous sommes en train de prévoir dans un futur très proche aller visiter nos pères, femmes, épouses de nos soldats FRDC qui sont sur le front. Nord Kivu, à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et sur les atrocités dans les territoires de Beni, sur les attaques du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Nous, femmes leaders et jeunes, personnes physiques ou responsables des organisations féminines et des jeunes, nous soucieux de voir la paix régner en RDC à travers principalement l'accroissement de la participation des femmes dans les sphères de prise de décision. Réunis à ce jour à Goma, sommes consternés de voir la situation sécuritaire et de paix en République démocratique du Congo continuer à se dégrader malgré autant d'efforts fournis, incluant les initiatives, mécanismes et dialogues de paix en RD Congo. Sommes profondément préoccupés par la réapparition des conflits armés opposant notre pays aux terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, surtout pendant que les dialogues se tiennent à Nairobi, sont en cours. Avons toujours été profondément préoccupés par les crimes qui sont commis dans les territoires de Beni où l'humanité n'a plus de sens. Nous basons sur les faits réels dont vous ne cessez d'être saisis et dont nous, la RD Congo, en sommes victimes principalement à travers
la gestion des minerais de sang, les tueries et le massacre pour ne citer que cela, et dont les auteurs sont fiers. Considérant le fait que la République démocratique du Congo est actuellement considérée comme un champ de bataille par un pays voisin, le Rwanda, que devrait, en principe, gérer ses problèmes avec ses nationaux dans son propre pays, il tient de rappeler que la République démocratique du Congo est victime de l'assistance à la personne à danger. Et son hospitalité telle que le prévoit dans les textes internationaux de gestion de la période de crise et des relations entre les pays frontaliers. Constatant une absence totale de la représentation des femmes et des jeunes dans différents mécanismes de paix, et ceci à violation de la loi congolaise qui exige la représentation égalitaire hommes-femmes, et de la résolution 1325 et 2052. Vu le mandat bien connu de la CIRGL, qui stipule aussi l'accès sur les questions de pacification dans la région des Grands Lacs, dont le pays qui sont en première ligne comme acteurs de ces fléaux, la communauté congolaise, particulièrement la RDC, est principalement composée de femmes, fait une série de recommandations à la CIRGL en savoir. Tirer compte de la représentation égalitaire hommes-femmes, en tenant compte de la diversité des âges, de toutes les assises dans la région des Grands Lacs qui traitent des questions de paix, sécurité et investissement entre pays. Cette question ne concerne pas seulement ceux qui usent de la violence pour hausser leur voix et attirer l'attention du gouvernement congolais. 2. Rappeler aux pays concernés des attaques à la RDC qu'aucune conclusion d'affaires devrait coûter la vie d'un seul Congolais et que les négociations de passation des marchés avec le multinational et les pays étrangers ne devraient être centrées entre les systèmes gagnant-gagnant. Et les Africains devraient se soutenir mutuellement dans les affaires. L'hospitalité des beaux cœurs de la République démocratique du Congo ne doit faire de notre pays un champ de bataille pour les problèmes de 100% sous la responsabilité des pays voisins, le Rwanda. Contribuer à encourager les résistants à seulement passer par les élections pour arriver à gérer la République démocratique du Congo, ainsi donc, ne pas faciliter un quelconque dialogue pouvant aboutir à un quelconque partage de pouvoir. La RDC est un et restera indivisible. Frapper un pays résistant de ses recommandations d'une sanction de collaboration de tous les autres pays membres de la région des Grands Lacs, contribuer à un plaidoyer pour l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo dans les autres regroupements comme l'Union africaine, la communauté East Africa, les Nations Unies. Et si fait à Goma, le 8 juin 2022, le mouvement Rien sans les femmes. Madame, parlez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui. Nous manifestons aujourd'hui parce que nous, les femmes de l'Est, nous sommes fatiguées. Nous sommes humiliés, nous n'avons pas de valeur. C'est pour cela, nous les femmes de l'Est, nous nous sommes mis debout pour demander la paix. Nous voulons la paix. Nous disons non au M23 et à Kagame, que nous sommes les mamans.
c'est nous qui l'ont mis au monde. Si Kagame est président aujourd'hui, si les M23 travaillent, c'est à cause de la femme qu'il a mis au monde. Mais avec la guerre, nous sommes déshonorés. On humilie la femme et nous déclarons la paix. Que la cire gèle dans les réunions, parle un peu de la femme et d'humiliation de la femme de l'Est. Voilà pourquoi nous marchons. Votre manifestation coïncide pendant que le roi des Belges est à Kinshasa. Vous savez que oui, la nous, Belgique nous le savons. Parmi les pays partenaires à la RDC. Et les pays qui nous a colonisés. Voilà, la Belgique également qui peut jouer un grand rôle. Un grand rôle. Pour que la paix revienne au Kivu. C'est okay. Quel message que vous avez envie de transmettre? Je demande au roi belge qu'il ait un peu de pitié pour la femme congolaise, qu'il intervienne, qu'il ne rentre pas en Belgique sans parler de la paix à l'Est. Nous lui supplions, nous les femmes de la RDC vers l'Est, nous demandons qu'il intervienne au moins dans des réunions qui se passent dans la CIRGEL afin d'amener la paix à l'Est du Congo. Nous sommes un peuple qui accueille les gens sans arrière-pensée. Mais notre amour est transformé par la haine et la trahison. Mais nous, les femmes du Congo, nous ne voulons pas venger. Mais nous demandons qu'il intervienne pour que la femme de l'Est ait la paix au Congo. On peut dire que cette femme de l'Est a besoin, par exemple, de l'appui de la Belgique sur le plan militaire? Oui, nous avons besoin sur l'appui de nos militaires. Nos militaires sont tués dans des choses qu'ils ne connaissent même pas. Il y a beaucoup de veuves militaires. Il y a des orphelins qu'on ne parvient même pas à soutenir. Les innocents, les enfants qui peuvent être les présidents, les hommes d'affaires, qui peuvent être même les hommes politiques de demain, qui sont des orphelins et qui n'ont pas de parents. Vraiment qu'il intervient même pour soutenir notre armée. Nous aimons notre armée. Sans notre armée, moi je ne pouvais même pas me tenir ici pour parler, parce que cette armée combat réellement. Et nous demandons qu'il intervienne même pour l'organisation de notre armée. Voilà un peu ce que j'ai besoin. Nous voulons la paix. Notre message tient compte de la paix. Nous demandons au roi belge d'intervenir dans des réunions qui se passent à la CIRGEL, afin que nos voisins, les Rwandais, l'Ouganda, les Burundi, qui nous laisse en paix. Nous voulons la paix dans le Congo. On n'a pas accueilli les voisins dans notre pays afin d'être trahis après. Nous sommes des gens qui accueillent très bien les autres peuples. Et nous demandons à notre roi de pouvoir intervenir pour que la femme de l'Est ait la paix, qu'on cesse de violer, de couper à manchette la femme de l'Est, à détruire la femme de l'Est. On a tué beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'orphelins par-ci, par-là, remplis des orphelins qui peuvent être demain des hommes politiques, qui peuvent être des présidents, qui peuvent être des hommes d'affaires meilleurs. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vagabonder parce qu'on a tué sa mère. Qui peut vivre sans mère? Au président du Rwanda, de l'Ouganda, d'ayez pitié de nous. Nous sommes les femmes. Si le président aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Qu'il ait pitié de la femme, qu'il cesse la guerre, qu'il demande à ces gens de M23 de cesser la guerre. Nous voulons la paix. Voilà un peu notre message. Merci.